Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, je ne suis pas très présente en ce moment. Bah, faut dire que y a plein de choses qui se passent, hein. J'ai beaucoup de visites en ce moment. Le jardin qui me prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Par contre, je reçois quand même des petits courriers, puis je vais vous les présenter, parce que je trouve tout à fait normal de vous montrer les très jolies choses que m'envoient les copinettes. Donc j'ai reçu un premier courrier il y a déjà un petit moment de la part de Patricia, notre Patty Scrap 17. Excusez-moi, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Donc Patty m'envoie ce joli petit lot. Une très belle carte. J'aime beaucoup le fond, c'est un fond patouille, un très très bon fond, très très beau fond patouille. Je bafouille. Bon, je ne sais pas si je vais avoir assez de place sur mon téléphone. On va essayer. Donc un petit mot qu'elle me dit, je te joins un die horloge qui lui avait été envoyé, mais qu'elle avait déjà. Donc, écoute, c'est très très gentil, Patty. Ah, effectivement, j'ai ce joli die. Très belle présentation. Un très joli die. Il me semble que j'en ai un, mais plus petit, plus grand que ça. Je vérifierai. Et c'est pas tout. Elle m'envoie aussi un autre die de dentelle. Un très beau die. Et une ATC qui est faite avec le même papier que la carte. Très très belle ATC. Un joli petit papillon. 100% nature. C'est la 2 sur 2. Ben, coup de Patty, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme d'habitude, hein, tu es adorable. Tu fais toujours de très belles surprises. Merci tout plein. Et là, j'ai reçu un courrier de Marie-Claire. Donc Marie-Claire, à qui j'avais envoyé des tamponnages, je crois. Et gentiment, elle me renvoie tout un tas de petites choses. Donc une très très belle carte. Avec des papillons dans les tons de rose, c'est très très joli. Un sentiment en 3D, une très belle fleur aussi en 3D, c'est très très joli. Et son petit mot à côté, moi j'aime bien faire ça aussi, envoyer des cartes comme ça, puis avec un petit mot qu'on peut défaire de la carte, comme ça on peut réutiliser éventuellement la carte. Alors, donc, Marie-Claire, tu me dis que tu as bien reçu mon courrier. Tu es très contente. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Oui, effectivement, mon fils habite dans la même ville que toi. Moi, je pense pas que tu le connaisses parce que ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont acheté une maison là-bas. Ils ne sont pas dans la ville même, ils sont dans un écart. Donc. Voilà. Bah, écoute, oui, pas de souci. Quand on ira les voir, je te passerai un petit message. Si on peut se rencontrer, ça serait vraiment très super. Moi, j'adorerais. Donc, j'ai plein de petites choses. Des découpes. Allez. Voilà. Plein de petites découpes, des petites fleurs. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'ai un petit peu de noir là. Très joli ah.
ça me vient à l'esprit des notes de musique, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ce sont des partitions. Voilà, donc quatre couleurs différentes. Elles sont très très belles. Il y a également plein de petites fleurs que je vais pouvoir monter voilà de toute taille hein, pour faire les pétales. J'y arrive pas avec mes gros doigts. Et je voudrais me dépêcher parce que j'ai peur que la vidéo s'arrête alors que je ne voudrais pas. Et voilà, regardez, je vais pouvoir m'amuser un petit moment. Et des étiquettes, ah, ça c'est génial, j'aime beaucoup. Ça, je dois voir le die. C'est mignon celle-ci, j'aime beaucoup. Ah, elles sont toutes sympas. Hein. Voilà pour ce qui est des découpes. Et là, j'ai une petite merveille. Alors, c'est une découpe qui forme plein de petits cœurs. Et du coup, je vais avoir plein, plein, plein de petits cœurs. Fantastique. Elle est très belle, cette découpe. Et c'est une découpe pour faire une memory dex. C'est sympa comme tout. Elle est très, très jolie. Il y a des petits cœurs partout, partout, partout. Bah écoute Marie-Claire, merci beaucoup. C'est super gentil. Tu n'étais pas obligée de me renvoyer quelque chose. Hein. Je t'avais indiqué, c'est de l'échange. Enfin, c'était même pas de l'échange. C'était un envoi plaisir, hein, un envoi. Tu avais besoin de tamponnage. Donc, bah, je te les ai envoyés avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Bon, je t'avoue, hein, ton envoi me ravit énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de revenir vous voir. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, ben, un de ces jours. Allez, je vous embrasse. Au revoir.